Si nous, les hommes, en tant qu'êtres vivants, nous pouvons avoir un rapport à un passé qui n'est pas simplement notre passé, qui n'est pas simplement mon passé de moi, Bernard Stiegler, né il y a 48 ans, mais aussi mon passé en tant que mon passé, ce n'est pas que le passé de Bernard Stiegler, né il y a 48 ans, mon passé, c'est le passé de Robert Stiegler, my father, Frédéric Stiegler, my grandfather. You see? Le passé de mon grand-père, c'est mon passé. Mais mon grand-père a lui-même eu un grand-père, qui a eu lui-même un grand-père. Tous ces gens, tous ces pères, grands-pères, 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 etc. C'est mon passé. Ce passé-là, je ne l'ai pas vécu. Je ne l'ai jamais vécu. Et pourtant, il est à moi. J'en suis responsable. Par exemple, j'ai un nom allemand. Stiegler, c'est un nom allemand. En tant que porteur de ce nom allemand, je suis porteur du passé des Allemands. La Shoah, à Auschwitz. Je suis responsable de ce passé-là. J'ai un nom allemand. D'accord ? En même temps, je suis français. I was born in France. I'm French, I'm not German. Ce que je vais vous dire en disant ceci, c'est que mon passé est complexe. Mon passé est à la fois allemand, français, il est aussi américain, parce que maintenant tout est américain. Il est grec, parce que tout le passé est grec, même pour un japonais, pour un australien, pour un africain, le passé est grec. Parce que la technique est grecque.